Sergent Kelly à toutes les unités. Nous sommes attaqués par une force ennemie inconnue. Repliez-vous au QG des Marines pour vous regrouper. L'Union Aérospace Corporation est la plus grande société existante. Son activité était à l'origine concentrée sur l'armement et la défense. Puis elle s'est diversifiée dans la recherche biologique, l'exploration spatiale et d'autres projets scientifiques. Grâce à des fonds illimités et à la possibilité de mener des recherches au-delà du cadre des obligations morales et légales, l'UAC a le contrôle des technologies les plus avancées. Transport entrant détecté. Étoile noire en approche de Mars, 07063, descente sous les 38000. Étoile noire, descendez à 2000 vitesse constante. Contact au sol à 26972. Reçu tour de contrôle. Nous les avons sur les radars, chef. Ils atterrissent dans quelques instants. Excellent. Envoyez-moi directement le conseiller Swan. Oui, chef. Étoile noire à la tour, phase finale. On vous a, étoile noire. Vous êtes OK pour arrimage. Je n'arrive pas à croire comment je vais arriver là. Je n'ai pas voulu venir ici. Il ne vous a pas laissé le choix. Oui. Mais c'est la dernière fois. J'en ai assez de réparer les dégâts à chaque fois qu'il fait tout foirer. Ok. Vous avez les choses en main. En cas d'échec, c'est moi qui prends. Dans ces conditions, Maître Auger va devoir faire les choses à notre manière. Comme vous voudrez, conseiller. Bienvenue sur Mars. Bienvenue à Mars City, le premier centre de recherche de l'Union Aérospatiale. Pour faciliter le traitement de votre arrivée, veuillez vous rendre directement à la réception. Bienvenue sur Mars, Marine. Vous allez devoir vous placer sur l'un de ces carrés rouges sur le sol pour un bioscan. Ça ne prendra qu'une seconde. D'accord, je lance la procédure. Évitez de bouger, les mouvements ralentissent la procédure du test. Parfait, c'est bon pour le bioscan. Vous pouvez entrer. De la part de l'UAC, bienvenue sur Mars City. Cette installation sert de point de jonction entre la recherche scientifique... Attention, directeur Banks, veuillez vous rendre à la opérations... L'objectif numéro un de l'UAC est la sécurité et le bien-être de tous nos employés. Bienvenue sur Mars. Première fois ? Vous pouvez laisser votre sac ici et je le ferai monter dans vos quartiers. D'accord, nous devons d'abord régler certaines choses. Voici votre assistant numérique personnel.
Vous en aurez besoin pour accéder aux zones de sécurité. Si vous obtenez une autorisation d'accès à une zone de sécurité, elle sera téléchargée automatiquement. C'est très important. Ne le perdez pas. Je vois que le sergent Kelly demande à vous voir immédiatement. Rendez-vous directement au QG des Marines. C'est par ici. Suivez les panneaux. Et dans tout le système solaire. Pour toute aide complémentaire, contactez notre directeur des ressources humaines. Si vous êtes invité... Mars City est un complexe non-fumeur. Veuillez ne fumer que dans les zones réservées à cet effet. Merci de votre coopération. Je suis là parce que nous avons apparemment de graves problèmes. Vraiment ? Faut-il que je vous rappelle la nature du travail sans précédent que nous effectuons ici ? Non. Mais le Conseil m'a autorisé à tout vérifier. Le Conseil vous a autorisé ? Le Conseil ne connaît rien à la science. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent avec un bon produit. Mais ne vous inquiétez pas, ils l'auront, leur produit. Après combien d'accidents ? Dites-moi, docteur Betruger, pourquoi autant d'ouvriers ont la frousse, se plaignent et demandent leur transfert pour quitter Mars ? Ils ne supportent pas la vie ici. Ils sont épuisés par la surcharge de travail. Si j'avais une équipe plus grande, plus compétente et un budget plus important, même ces petits accidents auraient pu être évités. Vous n'aurez rien de plus jusqu'à ce que mon rapport soit entre les mains du Conseil. J'aurai toutes les autorisations, docteur Betruger, y compris au complexe Delta. Cela ne me posera aucune difficulté. Seulement si vous fichez le camp, Swan. Ne vous mettez pas en travers de ma route. Il va se passer de grandes choses. Vous verrez. Allons-y. IPN, votre univers, maintenant. Miller, tu sais pour le caporal Allen ? Ouais, on dit qu'il a perdu les pédales. Ils l'ont rapatrié cette semaine. Super Turbo Turkey Puncher 3. On va l'équipe, bravo maintenant. En tout cas, j'espère qu'il nous... Super Turbo Turkey Puncher 3. Turbo Turkey Puncher 3. Turbo Turkey Puncher 3. Thank you.
Turkey Puncher 3. L'UAC doit craindre quelque chose. On dit qu'il y a eu de nombreux accidents au complexe Delta. Comme ça qu'on les appelle maintenant. Alors, dites-moi. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Ça me dépasse. Moi, tout ce que je fais, c'est réparer les convertisseurs. Le déficit budgétaire. Super Turbo Turkey Puncher 3. Come on.
Attention, le docteur Braddick est prié de se présenter au bureau de gestion de l'environnement 4 Alpha. Allez faire votre rapport dès que possible au sergent Kelly au poste ici de commandement. Ici la direction scientifique Delta. Nous demandons une autre équipe de sécurité au complexe Delta. Oui, chef. Soldat, voilà où nous en sommes. Un autre membre de l'équipe scientifique est porté disparu. Puisque vous êtes le bleu ici, c'est à vous de le retrouver. Je veux que vous alliez fouiller l'ancien complexe de communication. On a de bonnes raisons de penser qu'il va par là. Le seul moyen de s'y rendre est d'emprunter le passage de service sous Mars City. J'ai programmé cette sentinelle pour vous guider vers l'ascenseur de maintenance. J'espère que vous suivrez la sentinelle mieux que vous n'avez suivi les ordres jusqu'à présent. Vous pourrez trouver de l'équipement au point de contrôle de sécurité au pied de l'ascenseur. Oh, et lorsque vous le trouverez, contentez-vous de le ramener ici. Ne lui faites pas de mal. Filez maintenant. Le personnel de l'UAC. Vous voulez gagner davantage de crédits? Portez-vous volontaire au laboratoire de Delta dès aujourd'hui. Pour plus d'informations, consultez votre directeur de service. Vous avez entendu ce qu'a dit Carter? Il a dit qu'il a vu une espèce de créature bizarre dans le complexe Delta. Il a dit que c'était pas humain. Quoi? Vous n'allez pas croire ce que dit ce type. L'UAC se préoccupe de la qualité de vie de ses employés. Profitez de nos services de soins médicaux de qualité.
Bienvenue au donjon, Moraine. L'endroit le plus sinistre sur Mars. Vous allez devoir prendre une armure et neutraliser votre arme pour que je puisse vous faire passer la sécurité. Ok, prenez votre équipement. Maintenant, vous êtes prêt au combat. Laissez-moi faire un test radio. Mars 5, vérification. Excellent. Bon signal. On dirait que vous avez été affecté à l'ancien complexe de communication. Suivez le passage principal à l'embranchement souterrain. Après, c'est tout droit. Vous devriez sortir rapidement. Le meilleur moyen de découvrir le paysage martien, c'est d'aller y gambader, non? Ok, vous êtes paré. Ah oui, souvenez-vous, il y a des civils qui travaillent là-bas. Alors ne vous excitez pas et évitez de tirer dessus. Comment ça? À la maintenance, vous n'êtes pas capable de faire tourner ces machines? Oui, monsieur, c'est juste que l'équipe scientifique exige beaucoup de ces trucs-là. Arrêtez les excuses et contentez-vous de faire ce que vous demande l'équipe scientifique. Bien, je fais mon possible, mais je ne peux pas expliquer certains phénomènes survenus dans les systèmes. C'est étrange. Faites votre boulot. C'est vous le nouveau qui devait aller à l'ancien centre de communication. Vous feriez bien de vous bouger, mon gars. Ce passage ne vous y mène pas directement. Vous devrez marcher pendant un moment à l'extérieur du sas. Vous inquiétez pas, votre combinaison est chargée en oxygène. Thank you.
Marine, c'est le sergent Kelly. Il va falloir vous manier là-dedans. Fouillez votre zone et ramenez vos fesses à Mars City. Terminé. Me laisser envoyer ce message. Il faut les prévenir tant qu'il est encore temps. Je ne peux pas laisser ce... Vous ne savez pas ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas comprendre, ni même avoir la moindre idée. Le diable existe. Je le sais. J'ai construit sa cage. Je reçois des relevés anormaux. Il y a un problème. Impossible de garder le contrôle de ces niveaux. Seigneur. Sergent Kelly à toutes les unités. Nous sommes attaqués par une force ennemie inconnue. Replayez-vous au QG des Marines pour vous regrouper. Je répète. Replayez-vous au QG des Marines et attendez les ordres. Attention, Marine. Revenez à la base. Nous partons d'ici. Excusez. L'ennemi envahit le niveau 1. Chef d'escouade, au rapport. Terminé.
Équipe Bravo au poste de commandement. Nous avons un mort et deux blessés. Terminé. Équipe Fire 4 au poste de commandement. Nous sommes acculés dans les laboratoires Alpha. Équipe Fire 2 au poste de commandement. Système d'alimentation principaux HS dans les niveaux inférieurs. Système auxiliaire et assistance médicale OK. Beaucoup de pertes civiles. C'est un vrai merdier. Poste de commandement, on tente une zone de sécurité. Éclaireur 2 accusé. Sécurisons les positions avancées dans Alpha et les avertissons pour qu'elles soient dégagées. Terminé. Merde, ils sont dans les murs. Comme vous, nous avons un point de vue. Poste de commandement à toutes les unités. Revenez au quartier général des Marines et attendez les... Non, dans Alpha et vous avertissons quand elles sont dégagées. Terminé. Dégâts matériels importants dans le secteur 2.
Prime de niveau 1. Suivez, nous sommes attaqués par l'ennemi. Oh, faites sortir tout le monde. Tout de suite, tout de suite. Journal audio de Frank Delayou, directeur de l'ingénierie affecté à la production d'énergie, le 18 octobre 2145. Le réseau électrique enregistre actuellement une surcharge de 23% par rapport à sa capacité normale. J'ai fait passer les équipes de travail à 12 heures par jour pour répondre à la demande. La charge en constante augmentation, en provenance du complexe Delta, est en train de causer des dégâts. À ce rythme, nous allons perdre des systèmes essentiels. Je demande l'autorisation de réquisitionner du matériel d'autres départements pour la maintenance de notre équipement. Bon, je ne sais pas ce qui se passe sur Delta, mais je fais tout ce que je peux ici. Les demandes sont incessantes et les rumeurs qui courent n'arrangent rien. Si ça continue, ça va bientôt être un vrai chaos. Journal audio de Frank Delayou, directeur de l'ingénierie affecté à la production d'énergie le 24 octobre 2145. Les problèmes de récupération continuent de parasiter le processeur central. La semaine dernière, deux valves encore ont subi une surpression. Ces surpressions peuvent les détruire, provoquer des jets de flammes ou suffisamment de chaleur pour brûler un équipement sensible à proximité. Jusqu'à maintenant, on ne m'a signalé qu'un accident à la suite de ces problèmes de valves. C'est surtout grâce à l'intervention rapide de l'équipe d'ingénierie. Notre procédure consistant à entrer le code d'échec 842 dans le terminal est efficace. Nous allons continuer à travailler ainsi. Journal audio de Frank Delayou, directeur de l'ingénierie affecté à la production d'énergie le 24 octobre 2145. Les problèmes de récupération continuent de parasiter le processeur central. La semaine dernière, deux valves encore ont subi une surpression. Ces surpressions peuvent les détruire, provoquer des jets de flammes ou suffisamment de chaleur pour brûler un équipement sensible à proximité. Jusqu'à maintenant, on ne m'a signalé qu'un accident à la suite de ces problèmes de valve. C'est surtout grâce à l'intervention rapide de l'équipe d'ingénieurs.
La procédure consistant à entrer le code de chef 842 vers le terminal est efficace. Nous allons continuer à travailler ainsi. Sergent Kelly à toutes les unités. Nous ne savons pas à quoi nous avons affaire. Je répète, identification négative de l'assaillant. Ce sont sacrifiés. Si vous n'avez pas de route déterminée pour retourner au QG, rassemblez des munitions, établissez une place forte et tenez-les à distance. Sergent Kelly à toutes les unités. Nous sommes attaqués par une force ennemie inconnue. Repliez-vous au QG des Marines pour vous regrouper. Je répète. Repliez-vous au QG des Marines et attendez les ordres. Où êtes-vous ? Je vois plus rien ! Attention, Marine. Revenez à la base. Nous partons d'ici. Excusez, nous sommes attaqués par l'ennemi. Faites sortir tout le monde. Tout de suite.